Alter Radio, l'y fait. C'est eux. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain, ta belle. Oui, fuck demain, belle. Pour demain, ta belle. C'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler de une série de questions tant coup environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide mais nommé à groupe média alternatif qui pote émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi ah oui pour nous travailler pour nous. Émission pour demain Kabel, passé chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour tout auditeur auditrice qui suit émission pour demain Kabel. Bonjour Mackenzie qui est sous table avec nous. Bonjour Colette et nous disons bienvenue dans l'émission Colette. Salutations pour même Étienne, salutations pour Mackenzie, salutations pour nous toutes. Cap suivre émission pour de Mekabel. Chaque jour nous bien content de nos émissions pour de Mekabel. Nous voulons pour Haïti belle, même si nous voyons tout ça qui a passé dans le pays. Et puis environnement, l'aide, l'olabli tombe, nous honte. Mais nous voulons pour de Mekabel, pour Haïti à belle. Et c'est pour ça que nous travaillons, Étienne. Et dans 5 juin, moi en pile monde qui était journée mondiale à l'environnement, moi en pile monde t'a rêvé de Haïti qui belle. Nous t'avons dit comme ça, gagne une plus belle journée année, l'arrivé, c'est 5 juin que tout le monde connaît sous nom journée mondiale environnement. Côté que gagne pile activité qui fait à travers le monde, gagne même pays autres qui accueillent journée ça. Mais nous même en Haïti, voilà, nous cap. Oui, nous faisons pile parler pour demain Kabel. Belle. Nous pral parler dans l'émission ça de journée mondiale environnement, n'a bay nouvelle mais n'a présenté tout ça un mouvement paysan qui c'est CONAFA qui c'est une confédération famille agroécologique en Haïti et foi a fait eux même pour faire parole ça sur environnement tourner réalité. C'est dans ça ça n'a parlé avec Franz Marius. C'est lui-même qui coordonnateur CONAFA. Coordonnateur CONAFA, il pral di nou comment yo même yo te célébrer journée mondiale environnement pour année 2024 là et comment yo te rann thème Nations Unies hein et année ça qui parlait de restaurer terre yo, éviter pour nous pas tourner désert, résister contre sécheresse. Et bien je tiens nous pral parler dans émission de environnement journée mondiale environnement. Oui, fuck demain, belle. Alter Radio. Pour demain, Kabelle. Étienne, Anessa, sous ta suive, qui t'aime journée mondiale environnement? Alors Colette, nous gain thème en français, CONAFA te traduit pour nous, n'a invité moun yo tande traduction CONAFA, mais thème français Nations Unies c'est restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse. Oui, faut nous restaurer terre yo, faut nous éviter nous tourner au désert
et puis il faut nous résister en bas sécheresse, mais c'est pas dans parole, c'est dans action. Faut nous tourner des citoyens, citoyennes pas seulement de Haïti, mais de la terre, du monde. Faut nous protéger ça nous gagne, hein? Faut nous protéger tout terre. Et secrétaire général des Nations Unies, hein, monsieur Antonio Guterres, lui dit eh bien, journée jeudi, c'est moment vérité pour la terre, c'est moment vérité pour nous. Et lui dit tout dans l'autre moment, et c'est nous-mêmes encore propre monde qui sous terre qui mange terre. Et nous tournons vraiment une sorte de destructeur. Nous avons détruit la terre de façon à agir à la terre. Et il dit c'est pour nous chercher solution. Il demande à tout pays pour faire effort, pour interdire un série de pratiques, un série de actions qu'a fait. Donc, par exemple, retirer tout ça en bas terre qui était fouillé, enfoui, et en bas terre, c'est en bas terre pour nous mettre au dehors. Pour soi-disant pour nous faire bébelle, pour nous jouer la vie nous, et ben faut que nous éviter faire bagarre parce que c'est eux même qui a chauffé terre, c'est eux même qui a ban nous tout problème que nous gagne là yo, et on lui mandé pour média yo papa c'est publicité qui a encouragé ça l'énergie fossile. Ça c'est parole secrétaire général Nations Unies pour journée mondiale environnement. Yo journée mondiale environnement Colette qui était faite et dans la période où on est toujours à battre dernier record. Record sur augmentation de température. Tout record qu'on a gagné depuis 2022, 2023, 2024, c'est nous-mêmes qui battons. Donc, il y a une journée mondiale environnement qui était faite pendant le record. Mais il y a une journée mondiale environnement tout collecte qui était faite par Bolakay nous sous Fatra. Il y a plusieurs monde qui organisations qui parlent tout de Fatra. Il n'y a pas de thème Nations Unies. Il y a parlé de l'affaire Fatra. Et par exemple, nous te ouais plateforme organisation droit monio POHDH, c'est sous question Fatra qui presque tout fait nous surtout dans ville yo. Et yo te parlé parce que nous gagne un bagage qui relait droit à l'environnement sain. Donc là on l'état tellement li pas fait rien encore, li quitte travail, li quitte n'a mourir en bas Fatra, et bien c'est droit nous pour nous vivre dans un environnement qui sain. Li violé POHDH te parlé de ça te gagne découvre association de journalistes qui travaille sur même question ça tout et association ça li relé COJHE collectif des journalistes haïtiens engagés pour l'environnement non seulement on dit ouais environnement dégradé vraiment mais on mandé gouvernement transition pour le monter là pour faire un geste pour faire un bagage pour nous vraiment combattre une bonne pratique anarchie cap encourager environnement dégradé cap fait que déchets yo a pété fiel nous déchets yo pas géré du tout Étienne moi connais plusieurs écoles tout oui. Qui te fait des activités pour journée 5. Oui, journée mondiale. Il y a une journée mondiale environnement tout collecte ensemble avec une saison la pluie qui commençait mais le regarder canal yo gens ça t'était qu'on fait 10 15 ans avant côté chaque saison la pluie pour commencer ouais y a propre canal Maglanboise comment le canal Boitienne canal Kafourita dans Claire-Sintaba exemple tout canal qui gagne mais ou garder tout canal plein pas grand rien qu'a fait dans canal yo collecte dans journée mondiale environnement. Ça veut dire l'État platatel pas fait travail li et c'est pour ça gain organisation qui t'a insisté sur faire Fatra mais moi même ça m'ta dit moi je parle en pile avec l'État il faut que nous parle avec l'État parce que li gain travail pour le faire mais citoyen citoyenne yo gain responsabilité tout et moi quoi de plus en plus dans affaire environnement dans affaire Fatra. Faut nous parler de responsabilité citoyen citoyenne tout. Yo parler journée jeudi à d'un barrelé éco responsabilité éco citoyenneté. Ou son citoyen haïtien nous t'a célébré drapeau mais yon côté pour nous montrer nous remet drapeau à nous remet pays à dans question gestion Fatra parce que même moun k'a parlé de Fatra la kaili li se youn nan moun ka ba yo maleron ti kòb son bouèt pou al pran Fatra pou al mete ou l'autre côté c'est li même k'ap jete nan boîte chaîne nou t'ap wè nan réseau social yo
Oui, ça t'a passé la lu. Tout fatra. Moi que un monde qui vit au Canada, il dit me presque crier. Les lois ça qui passé devant caille mais la lio. Mais qui est-ce qui jeté paquet bonne fatra ça yo? Oui. Les monde arrêté en haut dans petite ville en haut dans qu'est-ce que côté la fatra yo, tout a descendre en bas la ville là pour la dans la mer. Donc gen un lien entre monde qui était en bas, nous te penser que monde qui était bon la mer dans cité soleil nous pas gen rapport avec lui. Eh ben mais qui rapport que nous gagne parce que mon dieu dit son petit la appli tombé non bon mais la lui mais c'est pas la appli ça oui. Et pas ça côté elle t'est tombé peut-être il t'a tombé depuis dans monde et puis il voyait fatra yo ben nous camper là faut nous faire des éco gestes. Entendez comment des organisations paysans yo même qui nan mon nan yo wè question thème anessa dans sens sa colette nous pral accueillir coordonnateur Konafa Marius Franz et qui pral parler nous de activité Konafa avec PADED té organisé dans nord-est pays a dans localité que les Sainte Suzanne et côté PADED vraiment té célébrer journée mondiale environnement donc entendez Marius Franz qui pral ba nous plus détails. Moi saluer tout auditeur auditrice et Alter Radio équipe qui sous panel là, moi saluer nous agroécologiquement et moi c'est France Marie, coordonnateur Konafa, c'est Confédération Nationale Famille Agroécologie Haïtien. Pour Anessa qui c'était 5 juin 2024 là. Konafa et organisé yon kokenchen activité dans département nord-est pays dans commune Saint-Suzanne dans section Côtelette et thème non té tiré pour Anessa en travail pour une restaurer terre pendant n'a combattre des secs là pour assurer l'avenir donc c'est thème ça on té débattant pour Anessa en travail pour une restaurer terre pendant n'a combattre des secs là pour assurer l'avenir. Moi c'est et même thème ça dans... Nations Unies. Té kembé tout Anessa. OK, c'est les mêmes non donc nous té fait gros débat soulé donc dans cadre journée internationale environnement. Et comment nous té abordé pendant journée ça, qu'en premier temps nous té gagné un merci action de grâce qui té célébré à l'occasion journée internationale de l'environnement. Et après mes là, on t'a gagné un défilé famille agroécologique côté que nous t'a gagné fanfare accompagné nous t'a fait un parcours ensemble avec un chant qui dit développement oui non qu'à faire développement c'est nous pour faire. Et après défilé famille agroécologique ça a eu ensemble avec plusieurs écoles qui étaient donc invitées pour participer ensemble avec nous. Nous te gagnons donc agronome Israël Milius qui c'est directeur donc BAC Sainte Suzanne qui t'a traité un sujet pour nous pendant donc 40 minutes en travail pour une restaurer terre pendant la combat des secs là pour assurer l'avenir nous. Donc te gagnons pile question donc qui t'est posé à l'occasion de conférence ça qui nous réalisé dans cadre journée internationale environnement. Cassez-moi ce bon nous non ça qui dit dans sous thème là. Pardon? Cassez-moi ce bon nous sous ça qui dit sous thème ça. Oui, ça qui dit sous thème ça côté que dans cadre des activités agricoles n'a fait yo d'abord donc pour nous capable joindre plus résultats, faut que nous assurer nous terre nous yo conserver. Si terre nous yo pas conserver, nous pas capable jeune assez résultat non et jardin à produit yo ça veut dire terre nous conserver terre nous conserver c'est à dire avant même nous planter terre faut que nous faire rampe dans terre afin que pour l'elle fait gros la pluie pour l'eau parler avec qui terre afin qu'apprendre ou joindre plus de donaison dans jardin ya. Et puis en dans même temps en dans même temps ça écoutez que agronome n'a pas fait sentiquer question déchets plastiques yo donc faut que nous bien utiliser afin que puis pas faire plus dégâts dans environnement tant que dégâts fait dans environnement
c'est tant que ça a fait des dégâts sous santé nous et même sous économie nous. Et nous quelle situation ça dans zone Bolacano, dans zone Sainte-Suzanne? Oui, certainement dans zone Sainte-Suzanne effectivement gagner genre des situations ça yo parce que zone ça yo c'est zone montagneuse yo yé. Donc et puis moun yo toujours utilisé question déchets plastiques yo. Donc dans sens ça me senti en pile moun qui était présent yo était prend conscience des façons yo était mal géré environnement et puis des façons tout yo était con mal donc il fait bonne pratique dans question jardin yo. Anessa moi on mettait en pile accent thème nan c'est sur pour nous refaire terre pas vrai ou même on dit pour nous conserver terre pour nous pas tout nous c'est-à-dire l'en parler de refaire de conserver c'est-à-dire donc restaurer terre et parce que dès maintenant on cultiver terre on fait aucun structure conservation sol là-dedans et bien terre l'a dégradé dès maintenant on fait structure de conservation sol là-dedans donc de jour en jour terre lui-même l'a restauré. Ça fait longtemps, on a parlé de bagay ça et Marius bagay ça yo. Nous même nous gen pile et nous sont une confédération de familles agroécologiques. Est-ce que nous travaillons sous bagay ça yo pour nous refaire terre, pour nous conserver terre, pour nous restaurer terre yo qui a fin dégradé. Oui, effectivement ça c'est choix le bataille famille agroécologique. Toute famille agroécologique avant yo planter quel que soit plante yo planté en quelque sorte monsieur déposé dans sol là avant même yo conserver terre d'abord avant même yo planter parce que yo connaît pour jeune petit bon résultat c'est conserver terre d'abord donc c'est une pratique nous même fait surtout en dans mouvement CONAFA qui c'est Confédération nationale famille agroécologique. Est-ce que nous arrivons à jeune résultat, est-ce que nous arrivons à résister en bas sécheresse Jean t'aime nan dia ou bien dans zone Sainte-Suzanne pas nous pas frappé par fait sécheresse là. Et sécheresse là donc c'est à travers pays à sécheresse là frappé mais et avec principe agroécologique de conservation sol là et côté que et famille agroécologique yo espace yo gagnent donc reboiser ça rend que même si sécheresse là frappé fait mais famille agroécologique yo donc bien informé, on série des plantes qui résistent même si qu'elles ont fait un mois, deux mois soleil, donc plantes qui résistent, c'est ça qui fait nous parler des programmes agroécologie. Donc des plantes et dans système là capable résister en pile famille agroécologique yo, et bien planter ensemble des plantes ça yo. Donc tu es capable prendre exemple sur ananas, tu es capable prendre exemple sur manioc, donc igname ensemble des plantes ça yo, banane, donc ils résistent à soleil par rapport à une série de l'autre plante, par exemple, pois noir. Donc, est-ce que vous voulez dire là, Marius, que agroécologie, son réponse pour nous capables restaurer terre, pour nous capables éviter terre tout nos déserts, pour nous résister en bas sécheresse, j'en t'aime, Anessa Tabdili? Oui, certainement. Agroécologie, c'est un outil donc, qui permet de terre restaurer. Et en plus, la permet de couverture végétale là, augmenter et à travers pays. Et en plus, ça a suscité plus la pluie tombée pour que nous capables plus ou moins avancer dans ensemble activité agroécologique n'a fait. Donc, si agroécologie a ligué tout bon bagage ça là-dedans. Et je a parlé de thèmes pour nous lutter contre déforestation, résister contre sécheresse, pour nous restaurer terre. Mais nous-mêmes, nous déjà avons une proposition. Comment comprendre que les gens qui ont dirigé le pays pour comprendre ce qui en considération, pour faire agroécologie, à tourner en politique dans le pays, pour tout le monde qui travaille la terre? Bon, on a souvent dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, et assurément moun qui t'a doivisé en tant de moun kap gen monopole pour légiférer c'est-à-dire faire de loi donc moun sa yo pa ko jam capable rivé c'est ça fait dans prochaine élection k'ap vini an nous a pe encourager tout moun kap koute nous là donc pour ta choisi des hommes des femmes capables afin que qui capable voter des lois pour nous capable gen agriculture un environnement qui plus ou moins par rapport
à l'autre année passée. Parce que décision, c'est décision de l'État. Il faut que l'État d'abord, donc, contribuer et faire des portes ouvertes afin que, pour agroécologie, qui est un choix de bataille, donc, améliorer donc, la vie à travers le pays et environnemental. Donc, il faut que vous mettez un pile accent sur ça pour être capable de gagner l'autre Haïti, tout bon vrai. Nous avons un gouvernement qui a monté là. Qui est capable de dire dans ça, Marius? Gouvernement qui a monté pour le moment ça. Donc, nous avons souhaité que vous fassiez plan, vous établissez la sécurité dans le pays. Et à travers la sécurité établie actuellement là, en pile produit, famille agroécologique vous fait à cause de problèmes d'insécurité. Yo gâté, yo pas capable de, donc joindre une possibilité pour yo Albanio dans l'autre grande vidéo. Donc c'est un gros problème. Donc n'a demandé donc gouvernement ça cap monter à dégager pressé mettre sécurité dans pays et puis rapidement organiser élection pour gagner un gouvernement légitime à travers pays. Kale a moi te vlechi ta pour moi comment nous-mêmes dans Konafa dans la zone Sainte-Suzanne, nous avons thème année pour l'environnement, mais nous avons ban nous plus sur ça, nous avons fait comme activité, à part de conférence, côté nous avons fait belle brasse l'idée ça, pour nous comprendre thème année ça, qui l'autre bagarre encore, nous avons gagné l'activité nous pour 5 juin et Marius. Et l'autre bagarre, nous avons gagné l'activité chez 5 juin, non seulement nous avons gagné mes actions de grâce, nous avons gagné des défis les familles agroécologiques. Et nous avons gagné et animation culturelle côté que famille donc et produit des pièces des drames au sujet de thème qui c'est en travail pour une ressource pendant la combat de sec là pour assurer avenir nous. Eh ben merci en pile et nous souhaiter famille agroécologique yo à continuer bataille sous thème ça parce que c'est ça même rôle nous. Et nan, que ce soit notre travail n'a fait, notre comportement nous, notre jeune à planter, etc. Oui, merci. Et nous t'attendons, Marius France Colette, qui t'a cassé maintenant mais nous activité par d'aide avec Konafat réalisé dans Sainte-Suzanne. Pour demain, Kabel. Pour demain, Kabel. Pour demain, Kabel. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Colette Kounia, nous allons parler de responsabilité citoyenne parce que à côté de l'État, nous-mêmes tout comme citoyens, nous-mêmes comme moun, nous avons responsabilité, pas nous tout Colette. Oui, alors dit Marius, merci parce que comment c'est bon nous exemple de ça nous qu'a fait pour nous capables et restaurer terre, éviter sécheresse, c'est ça agroécologie a fait, éviter nous tournons des airs. Félicitations paysans yo. Nous connaissons un mouvement paysan qui travaille dans ça en tout agroécologie. Et tête collective paysan haïtien prend li mouvement ça comme une stratégie pour encourager tout membre yo et pour yo travailler avec et technique agroécologie. MPP mouvement paysan papa fait même bagarre là. Nous t'a souhaité que gagne l'autre organisation paysan dans pays a qui aller dans même sens là. Ça me toujours dit au même l'aime pas son côté gain pile famille agroécologique formel. Oui. Formel que gon bagaille qui changer là et me souhaiter Marius attendez et prochaine fois mal dans zone cette Suzanne m'a poué que gain famille agroécologique capable agir là pour restaurer paix. Mais pour Vilio, nous t'ai parlé à Nessa de question Fatra. Donc pour Fatra Étienne, je t'ai dit, je ne jeudi on parlait de éco-geste. Ça veut dire un citoyen, citoyenne et qui remet environnement, il fait des gestes. C'est pour parole environnement, c'est des gestes, des comportements qui sortent à conseiller des monde qui
pour montrer que c'est des éco-responsables, éco-citoyens, éco-citoyennes. Par exemple, nous sommes capables de collecter dans le bureau. Yo. Par exemple, on va prendre dans le bureau pas d'aide, ou pas besoin de cup. Ou pas besoin de bouteille de plastique. Ou pas besoin de verre, ou boire de l'eau, nous laver verre là, nous réutiliser verre là encore. Ou pas besoin d'assiette faïence ou bien assiette, nous manger dans assiette là, après ça, nous réutiliser assiette là encore, laver, etc. Donc, on moun kap pren la rue tout, kap fè jounè nan la rue ou bien kap fè 2-3 jounè nan la rue, nan plas 5-6 sachets de l'eau ou pral acheter, ou te ka gen lire les goud en français, même pas konn comment le lire en créole. Une bouteille qui ka permet ou genyen ou mette de l'eau. Qui conserve le tout en pile là, qui ka conserve tout poté de l'eau. Ou tout poté de l'eau. Comme ça, pile matière plastique ou pral venir nan la rue, a li réduit et ou influencer l'autre moun tout kap suivre. Donc ou diminuer ou même quantité plastique ou ta capable servir. Oui. Ou pral non marché tout, eh bien poteti panion, poteti sakou chaque fois pour mettre à fond, pas besoin et market yo m'gen besoin yo content pour yo bon pile sachet. Oui. Même moi gen market tout qui vend des sacs écolo, côté qu'on acheter sac ça, chaque là ou pral non market. Là utilise même sac là. Li va là tout pour moun qui pral non marché, moi même la caille moi gen sac pour moun al marché. Les gens sont fait marcher chaque semaine, ils mettent sac là en côté de la ville et puis après ça, ils prennent le marché l'autre semaine, ils prennent même sac ça là. C'est comme ça que te qu'on fait longtemps, oui. Oui. C'est comme ça que te qu'on fait longtemps. Il y a des petits bagages tout petits nous capables faire pour nous diminuer quantité fatra. Par exemple, nous capables tout commencer faire recyclage. Oui. Nous perdons un pile déchets. Nous mangeons banane chaque jour, nous mangeons patates, nous mangeons figues, nous mangeons oranges. Mais tout bas ça nous fait avec on gagne l'temps qu'à mettre dans des plantes. Oui. Au lieu que nous mettez nous diminuer parfois mon n'a gon pied coco dans la cour la caille il gon pied banane et puis s'il te trier déchets autant que je va dire banane et pour banane pour poire série de bagages il était calaguer derrière pied banane qui dans la cour la caille ou bien pied coco ou bien pied mango a. Et comme ça élément nutritif qui dans pour banane n'a pas gaspillé mais li retourner encore dans terre pour ba nous manger encore colette. Mais gon l'autre n'a servi avec lui tous les jours nous pour que jambe capable vraiment de s'étirer ces styrofoam yo. Oui. Pour tic crac on assiette manger journée jeudi on pour aller ou aller en travail ou voir acheter manger pour yo bon styrofoam ça nous relé en boîte yo. Qui ça nous ka fait? Gen ti ba nous ka fait pour qui ça chaque monde pa gen ti bol yo. Oui, dans la machine, nous, à pied, dans la valise. Ou bien quand nous, ou avons acheté manger au lieu que ou avons acheté l'emboîte ou fait mettre le bout dans la cantine, ou manger, ou laver l'assiette ou retourner avec à fond la caillou. Parce que ça, c'est une vraiment danger qui a tout nous à faire styrofoam à droite à gauche. Ou à fond fait. C'est gros de styrofoam pour acheter. Oui. Ou à vendre nos petits bagages, ou à faire un petit bagage pour manger styrofoam. Et quand les gens plus stupides côté que au long restaurant ou à chita ou à manger dans restaurant et puis qui ça au long j'ai bon à cette carte. On boite. Donc bon bon petit bagage nous qu'a fait pour nous commencer diminuer quantité fatra nous ouais cap dans la rue Port-au-Prince quantité fatra nous te cap courir dans rigole glo devant Carmel Aluan parce que c'est nous mêmes haïtiens qui mettait nous pas tant Kenyan vini force internationale vini pour venir retirer nous dans fatra c'est nous pour commencer travail parce que nous décide nous c'est des citoyens citoyennes responsables en fait des éco gestes. Oui pour demain ka belle fuck demain belle garantie nous cabaye tout monde collecte soit le fatra pas d'aide ou le fatra la caille ou pas besoin de matière plastique nous bien content nous souhaiter que nous servi modèle et nous dit nous tout qui t'a coûté merci si nous gagne quelqu'un l'exemple de éco geste que nous fait voyez dit nous dans émission pour nous partager avec nous même Jean Étienne parler nous de pas d'aide. Au revoir tout le monde à la prochaine pour demain cabelle. Oui, fuck demain belle. Pour demain cabelle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler de une série de questions tant coup, environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre.
Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui portait émission ça pour nous. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, ah oui, pour nous travailler pour nous. En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on aimerait pour créer histoire. Ou pas te maîtriser son travail faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la ceinture, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, faut qu'on prise en charge. Un nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Moi, ouais, c'est celle qui a mis qui mis sous pied pas tombé. Le régime côté nos sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société yo a changé, radio d'été yon gros moyen information. Partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon pour l'IM dans le programme Alter Radio. Coutez Alter Radio sur Internet, connectez sur TuneIn et Zeno. Coutez. Abonnez. Partagez. Moi, c'est Tamara Suffren. Qui t'aime faire un petit chita parler avec nous sur façon pour nous traiter livre unique et cahier exercice élève premier et deuxième année fondamentale yo pral recevoir gratis ti chéri dans mes l'état haïtien à travers ministère éducation nationale. Là nous recevoir livre là et cahier exercice là pas jamais écrit dans livre là. Fait tout ça nous capable pour nous pas chiffonner livre là. Éviter sale livre là, éviter mouiller livre là. Toute précaution ça yo a permettre yon lot élève joindre l'occasion servi ak même livre ça dans yon lot année. Et c'est ap yon bel geste l'amour ak solidarité envers élève kap vini après nous. Ajoutez sous ça, recyclage livre yo a permettre ministère éducation nationale faire moins dépenses dans année kap vini yo pour acheter livre. On prend soin livre nous yo pour nous ka bay plus élève premier ak deuxième année fondamentale chance joindre livre pa yo. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Le Conseil présidentiel engage la diaspora et promet des réformes. Déjeuner de travail du Premier ministre Gary Conille avec le corps diplomatique. À l'OEA, les États-Unis présentent une résolution sur Haïti. Et puis Haïti parmi les 18 points chauds de la faim où l'insécurité alimentaire est en hausse, selon PAM. Le mercredi 5 juin, les conseillers présidents Frinel Joseph et Louis Gérald Gilles, représentant le Conseil présidentiel de transition, ont eu une rencontre fructueuse avec plusieurs organisations de la diaspora haïtienne. Cette rencontre souligne la reconnaissance du rôle crucial que joue la diaspora dans l'économie nationale. Les conseillers présidents se sont fermement engagés à assurer une participation active de la diaspora dans la vie politique du pays, rapporte la présidence haïtienne dans un communiqué daté du jeudi 6 juin, lit-on sur loopnews.com. Le conseil présidentiel de transition montre leur détermination à inclure la diaspora dans le processus démocratique. Nos frères et sœurs de la diaspora doivent pouvoir non seulement exercer leur droit de vote, mais aussi se porter candidat aux différents postes électifs, a affirmé le CPT dans son communiqué. Le Premier ministre Gary Conille a eu mercredi un déjeuner de travail avec les représentants des pays amis d'Haïti et d'organisations internationales, indique une note de la primature, rapporte le Nouveliste.com. C'était l'occasion pour le Premier ministre de les remercier de la solidarité indéfectible, de l'amitié de leur pays à Haïti, indique la note. Le Premier ministre en a profité pour faire part de l'action de son prochain gouvernement dans le cadre de l'accord du 3 avril, axé notamment sur la sécurité, le relèvement social et économique, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale, l'état de droit, la réforme constitutionnelle, l'organisation des élections, poursuit la note. Le Premier ministre Gary Conille dit espérer la coopération des partenaires d'Haïti en vue de la mise en œuvre de ces grands chantiers. Au final, il a formé le vœu du renforcement des liens d'amitié et la solidarité avec les pays amis d'Haïti, conclut cette note publiée dans la soirée du mercredi, accompagnée de photos de la rencontre. Les États-Unis ont présenté mercredi à l'Organisation des États américains, OEA, une résolution sur Haïti.
Le texte sera voté lors de l'Assemblée générale de l'organisation hémisphérique qui aura lieu à Asunción, au Paraguay, du 26 au 28 juin prochain. Peut-on lire sur 20bfinfo.com. C'est le